J'ai arrêté la construction à l'hôtel et demandé aux ouvriers de préparer le départ. Nous aurions dû partir il y a des semaines pour demander l'avis des sages de la cité. La violence s'est accrue, d'abord lentement, et je l'ai donc attribué à la tension, à la pression de réussir. Mais je ne peux plus nier qu'il y a quelque chose de maléfique dans le vallon. Il se nourrit de notre côté sombre, nous rend vulnérables à nos pensées les plus noires. Hier, un jeune tailleur de pierre m'a annoncé qu'un échafaudage s'était écroulé, arrêtant le travail pour la journée. Avant de pouvoir comprendre ce qui se passait, mon assistant m'écartait du jeune homme, inconscient et recouvert de sang. En me lavant les mains, j'ai retrouvé un fragment de ses dents enfoncé dans la peau de ma main. Je ne me reconnais plus. Il est temps de partir.